João Félix, est-ce que tu penses qu'il va s'imposer au Barça? Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de João Félix. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot. Ici nous on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos si c'est fondé parti. Alors, est-ce que tu penses que João Félix va s'imposer au Barça? Pour moi, non. Pourquoi je pense que non? Parce que le Barça joue en 4-3-3 et João Félix, c'est un mec qui il aime jouer plus derrière l'avant-centre. Donc, pour moi, je vois mal João Félix s'imposer au Barça parce que le Barça a pour tradition de jouer en 4-3-3. Et pour moi, ce joueur est surcoté. João Félix est surcoté, les amis. Il était à l'Atlético de Madrid, ça n'a pas marché. Ensuite, il est allé à Chelsea, ça n'a pas marché. Et au Barça, je suis presque sûr que ça sera un flop. Pour moi, ce joueur est surcoté. Il est vraiment surcoté, les amis. On dit que non, son profil ne correspond pas trop aux équipes. Un grand joueur s'adapte. Je suis désolé, les amis. Un grand joueur s'adapte. Voilà Bellingham, il arrive au Real de Madrid. Il s'est adapté. Quand tu es un grand joueur, tu t'adaptes au club. Et pour moi, João Félix, c'est un joueur surcoté. C'est un joueur qui ne reflète pas vraiment ce qu'on pense. Partage-moi ton ressenti en commentaire sur João Félix. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.